Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Pardon pour le défaut technique, car on a eu des erreurs techniques dans la vidéo d'hier. Hier, Dini, tu as revenu sur place. Excusez-moi, il y a eu des erreurs après nous, parce que nous sommes encore au début, en tout cas. Et vous, la malaf, qu'on a mis le début de nous, inchallah, va être toujours de hasan ila ahsan. Alors pardon si on fait des fautes. Alors vous voyez que la maîtresse aussi peut faire des fautes. Il est عادي اننا نديروا اخطاء ولكن ماشي عادي اننا نستمروا فيهم. نحاول نمسحوا الاخطاء ديالنا ونعاودوا حاجه تكون مزيانه. فوالا هاد لا فيديو ان شاء الله غادي تكون مزيانه عند حسن ظنكم. Aujourd'hui on va faire la même leçon, c'est la leçon de communication intitulée exprimer un jugement favorable. La page 77 76 pardon. Alors j'observe et je découvre. J'observe et je découvre, nous avons consulté le site www.tripadvisor.fr pour recueillir quelques avis postés par certains touristes qui ont visité la vallée de l'Orica. Voici ce qu'ils pensent. Alors, magnifique, avis publié il y a 5 jours. Je suis parti en excursion d'une journée vers la vallée de l'Orica. Cette excursion qui était organisée par mon riad était extraordinaire. J'étais vraiment ravi et émerveillé par les paysages captivants. Je crois que cette vallée est parmi les plus belles d'Afrique. Merci Karine. Splendide, avis écrit il y a un mois. Je pense que nous avons passé une journée agréable. Les vues étaient superbes, les cascades étaient magnifiques. Nous avons déjeuné au bord de la rivière, presque les pieds dans l'eau. Merci Jean. Alors, très beau avis il y a écrit il y a 6 jours. À mon avis, cette excursion était la meilleure, chose qui nous est arrivée pendant notre voyage. Certes, il faisait froid vu la saison, mais c'était bien ensoleillé. La vue était très ravissante. Merci, Nada. Voilà. Alors, nous avons un texte écrit d'une manière particulière parce qu'il s'agit d'un article qu'on a trouvé dans l'Internet, extrait de la page www.tripadvisor.fr. Et nous avons un chapeau. Le chapeau, ouais, le texte, bien sûr, il est écrit en italique. Ouais, on situe le lieu, le temps. On donne beaucoup d'éléments sur le texte, sur beaucoup de choses qui concernent les personnages, le lieu, le temps. Comme un résumé, la compréhension du texte. Nous avons l'article écrit en 3 paragraphes. Le premier paragraphe publié il y a 5 jours. Le deuxième, 1 mois. Le troisième, 6 jours. Voilà. Alors normalement, c'est un article extrait de ce site d'Internet. Les personnages, ce sont des touristes. Il parle de quoi? Il parle de la région de l'Orica qui se trouve au sud du Maroc. Il y a bien sûr une vidéo. La lecture, bien sûr, on a fait la lecture de ce texte qui parle de la région de l'Orica. On a extrait tous les mots qui décrivent cette région. Aujourd'hui, on va essayer d'extraire, de faire sortir tous les mots qu'on a utilisés pour faire un jugement valorisant, ou bien un jugement favorable. Favorable ou bien valorisant, ou bien à un lieu, ou bien à un temps, ou bien à un personnage. Voilà. Alors, dans le premier paragraphe, nous avons le mot magnifique, nous avons aussi extraordinaire, nous avons captivant. Il y a beaucoup de mots qu'on a utilisés dans le premier paragraphe pour valoriser la région de l'Orica. Dans le deuxième paragraphe, bien sûr, enfin, comme il faut lire et relire le support. Il faut toujours, il faut rester attentif pour faire une bonne lecture. Attention, il faut lire et relire le support plusieurs fois. Voilà. Alors, merci aussi pour les likes et les abonnements. Merci pour les partages de la vidéo. Merci à vous. Merci à vous. Merci à la Merci à vous. 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 Voilà. Alors, avant de terminer, normalement, il faut faire un petit exercice. Je comprends. En petit groupe, lisez les opinions des voyageurs, puis complétez le tableau suivant. Chaque groupe travaille sur un message. On ne va pas faire de petit groupe. On a un grand groupe, Inch'Allah, et on va essayer de travailler le tableau. Le tableau fait 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. La première colonne, les avis. La deuxième, qui, ça veut dire, je crois qu'il y a les avis. L'expression d'opinion. Qu'est-ce qu'on décrit? Les moyens utilisés. Voilà. Alors, les avis. Le premier avis, c'est Karine. Alors, Karine fait un avis sur la région de l'Orica.
les expressions utilisées, c'est magnifique, extraordinaire, paysage captivant, vallée parmi les plus belles d'Afrique. Voilà, donc moi, les expressions, les bruits, les expressions d'opinion. Qu'est-ce qu'on décrit ici? On décrit l'excursion, on décrit le voyage, on décrit le paysage de l'Orica, on décrit aussi les régions, la vallée de l'Orica, les plus belles d'Afrique. Deuxième avis, c'est l'avis de Jean. Alors Jean utilise des expressions d'opinion comme splendide, une journée agréable, vue superbe, cascade magnifique. Voilà la rivière, avoir les pieds sur, dans l'eau, dans la rivière. Voilà, ce sont les expressions qu'il a utilisées. Alors, qu'est-ce qu'on décrit dans le deuxième paragraphe? On décrit la journée, on décrit les cascades qui sont magnifiques et la rivière aussi. Les moyens utilisés, ce sont d'abord, nous avons adjectifs. Déjà dans le premier paragraphe, on a beaucoup d'adjectifs. Dans le deuxième aussi, des adjectifs comme splendide, extra, on a super, pardon, magnifique. Les pieds dans l'eau, dans, nous avons toute la phrase qu'on a utilisée pour décrire la beauté de la vallée de l'Orica. Troisième paragraphe, nous avons très beau, très, c'est un adverbe, c'est un adverbe. Et beau, c'est un adjectif. Voilà. Bien ensoleillé, bien c'est un adverbe, ensoleillé c'est un adjectif, vue ravissante, très adverbe, pardon, et ravissant c'est un adjectif. Alors, dans le texte, on a beaucoup d'adverbes et d'adjectifs pour faire le jugement favorisant. Alors, pour faire un jugement favorable ou bien favorisant, on peut utiliser vraiment beaucoup d'adverbes et beaucoup d'adjectifs. Voilà, alors je crois que vous pouvez faire le tableau maintenant. Vous avez des indices. Alors, ce qu'on prend les indices, la tête comme d'abord, on dirait le tableau tout seul. Doucement, relevez les mots qui viennent d'abord pour décrire le lieu ou bien la vallée de l'Orica. Maintenant, on va passer à je retiens de la page suivante, la page 77. Nous avons complète par mais en valeur un jugement favorisant, un jugement positif, adjectif. Adverbe, non. Alors, nous avons un texte, normalement, comme si je retiens, il est vide. On va remplir le vide par les mots convenables. Alors, un jugement favorable est un jugement positif qui, jugement favorable, favorisant, pardon, floul, et wa jugement positif. Jugement favorisant est un jugement positif qui met en valeur, qui met en valeur ce dont on parle. On peut l'exprimer de différentes manières. On peut l'exprimer de différentes manières. On a fait le mot deux fois, il y a une défaut tout à fait dans le livre. Alors, verbe d'opinion, aimer, admirer, adorer, trouve que c'est, ne pas résister, s'émerveiller, voilà, tout ce. Voilà, alors essayez d'utiliser tout les verbes كلها هما ce sont des verbes favorisants, ça veut dire تعاوننا نديرو داك الحكم الايجابي على الامور. Aimer, admirer, adorer, trouve que ce sont des verbes d'opinion مهمين تاع الانسان يعرفهم. Non, alors non, amour, admiration, estime, fascination, passion, émerveillement, emballement. Ce sont des noms, يعني اسماء. Merveilleux, magnifique, ce sont des adjectifs. Adjectifs, merveilleux, magnifique, superbe, splendide, fascinant, admirable, fantastique, extraordinaire, chic, craquant, envoûtant, éblouissant. Voilà, Jumla al-Mualiya, merveilleusement, magnifiquement, superbement, superbement, pardon, admirablement, adorablement, extraordinairement. Voilà, tous les mots différents, ce sont des adverbes. Alors, adverbes, meilleur, merveilleusement, magnifiquement, etc. Ce sont des adverbes. Voilà, alors on a fait, je retiens maintenant, vous pouvez participer en classe facilement, il a tout le reste, bien sûr, à la maîtresse ou bien le professeur, d'une manière facile, à comme la leçon. Bien sûr, t'audou la vidéo plusieurs fois, parce que c'est une leçon de communication très importante. Très importante, avoir la valorisation très adverbe ou importante adjectif. Voilà, alors j'espère que la leçon était facile à comprendre. J'espère que ma première tâche faute technique, bien qu'il vous donne sur la vidéo les fêtes, c'est Mihulina. Mais voilà, alors vous êtes nos amis, Inch'Allah, c'est Mihulina. On va dire que nous sommes nous. Shukran, d'imam le canat, Bislama, shukran, l'ikoum, l'antibah, ou il est le cas à Karib, Inch'Allah.